Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'Est sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que j'ai une information sans problème. En plus, une cérémonie officielle bientôt après-midi 12 janvier 2023 dans le Palais National, c'est dans seulement un tweet, gouvernement de facto a montré le songe tremblement de terre 12 janvier 2010 là, ça a exactement 13 ans. Tremblement de terre 12 janvier 2010 là, c'est la cause plusieurs milliers de monde mourir et blessés, plus paquet milliers cas écrasés avec un pilote dégâts divers côtés dans le pays d'Haïti, tant que dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, dans les Léogane, dans Jacmel et la Trier. 13 l'année après tragédie ça, Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry fait connaître unité, réconciliation, reconstruction et relèvement socio-économique nation représenté pi belle façon dans une série de publications li fait sur compte Twitter li dit pi loin c'est pour tremblement de terre 12 janvier 2010 là, inspiré peuple haïtien et puis indiqué li une autre fois route solidarité, fraternité et changement réel dans intérêt patria. 13 l'année après travail reconstruction qui était de fait yo pas arrivé fait tout bon d'après yon ramassé Alter Presse ak Alter Radio. Organisation Nations Unies qui te perdu 100 employés mardi 12 janvier 2010 là, Union pays européen ak plusieurs autres ambassades à pays étrangers dans pays d'Haïti, wete chapeau yo devant pile ak paquet milliers moun qui te perdu la vie yo dans gros tremblement de terre ça qui te frappé pays d'Haïti bien fort, ça gagne exactement 13 l'année. Dans une publication li fait, dans occasion ça, Nations Unies dit li renouveler engagement li pour li travail bon côté peuple haïtien dans l'idée pour aider li construire un plus bon avenir qui durable qui basé sur retour sécurité et démocratie. Dans chapitre la justice, ancien député Arnel Belizaire et Charles Kiko Saint-Rémy, yon associé ancien président Joseph Michel Martelly, c'est deux autres monde gouvernement Canada annoncé vendredi 13 janvier 2023 li prend sanction contre yo après plusieurs gauche à bras politique et businessmen, les suspects cap servi à Kestatio pour protéger gang criminel Axamio ensemble avec mauvais manevio. Dans un communiqué gouvernement Canada mettez d'ailleurs, il fait connaître li geler tout bien monde ça yo capable gagner dans pays Canada et puis yo gagner interdiction pour yo entrer sous territoire canadien. Gouvernement Canada avancé li gen diverses raisons qui t'a fait quoi monde ça yo a servi à Kestatio pour yo capable protéger gang criminel Axam et puis permettre activité illégale tant que trafic drogue l'autre zak corruption. Gouvernement Canada dénoncé gang criminel Axamio ak partisans yo qui continue à terroriser population haïtienne qui plonge dans une grosse crise red marée depuis plusieurs années surtout à cause maladie choléra qui est la cause plusieurs centaines de monde qui ont perdu la vie sans compter plusieurs milliers l'autre qui couchent sous cabane l'hôpital. Gouvernement Canada a profité pour condamner militarisation violence sexuelle là dans pays d'Haïti qui a dévasté la vie en pile monde dans pays. N'a rappelé gouvernement Canada te prend même sanction ça contre ancien président haïtien Joseph Michel Martelly 14 mai 2011, 7 février 2016 avec deux anciens premiers ministres Laurent Salvador Lamotte 16 mai 2012, 14 décembre 2014 avec Jean-Henri Séan 17 septembre 2018, 18 mars 2019. Département l'État pays États-Unis dit li wete chapeau la devant support gouvernement pays Canada vle bay la police nationale là avec quantité blindé livoye yo pour protéger population haïtienne nan. Dans une publication li fait sur compte Twitter li, Brian Nichols fait connaître ces deux nouveaux blindés parmi sa gouvernement haïtien te commandé yo qui entré dans pays pendant chargement ça. De temps li fait connaître pays États-Unis campé ferme avec pays d'Haïti pendant la travail pour rétablir sécurité avec l'état de droit dans pays d'Haïti d'après ça nous capable dans publication li fait. Jeudi 12 janvier 2023 monde dans commune Liancourt département la Tibonite tanmé un mouvement protestation pour exiger bandi exam lagué 3 monde quitté dans un petit bus transport public yo été kidnappé bien bonnet jeudi matin 12 janvier 2023. Toujours dans le même chapitre, insécurité à la police nationale l'a fait qu'on est l'arrivée lagué mardi 10 janvier 2023 dans zone Nandig, yon localité commune Liancourt, département la Tibonite, 4 moun bandi exam te kidnappé. Dans publication li fait PNH la fait qu'on est bandi yo te kidnappé moun sa yo nan moment yo t'a pral la banque pour yo te fait un dépôt d'après premier élément information la police gagné, c'est famille victime yo qui ta nan complicité ak bandi qui commet zak sa yo. Mardi 10 janvier 2023, la police nationale la dit li arrêté dans mi-balai département Plateau Central, Louvenski Saint-Jean, li suspect qui t'a participé dans assassinat, dans zak kidnapping ak nan volo zafè moun nan commune Taba ak commune Kwa des Bouquets. Pendant arrestation ça, la police rive joine nan men li plus passé 60 000 goud, 16 téléphones, yon laptop, plusieurs tablettes ak yon caméra. Après une quantité yote voyé dans date 15 octobre 2022, à force la me Canada yo poté nan avion mercredi 11 janvier 2023 sans yo pas préciser combien yon lot quantité blindé gouvernement de facto pays d'Haïti a te commandé nan men yo pour courir travail la police nationale là contre gang exam yo. Gouvernement Canada répond demande d'appui pays d'Haïti te fait là alors que violence là continue à valer terrain dans pays d'Haïti. Un avion militaire canadien arrivé Port-au-Prince pour transférer machine blindée by directeur général la police là. Machine sa yo gen pou yo combattre violence gang exam yo a fait contre citoyens haïtiens yo. Autorité politique qui passé dans tête pays d'Haïti yo depuis tremblement de terre 12 janvier 2010 là pas réglé rien pour changer situation pays a qui vient plus grave. C'est disons parti politique en avant qui dit souhaiter yon tête ensemble largement large pour faire pays d'Haïti tourner sous route démocratie ak chimè constitution tracée. En côté ancien député Jerry Tardieu qui a porté plus de détails pour nous. Depuis 1986, Haïti a dégringolé sans arrêter. Au lieu bon genre démocratie bourgeonné, tant que tout Haïti était souhaité là, après 7 février 1986, nous essayons toute institution qui a crasé plate, une après l'autre. Nous essayons l'économie qui a fait bac, qui sous la graba. Nous avons plus misère, plus hing-hang, plus problème, plus crime, plus violence dans la société. Problème dans tout pays, calamité à taille, dans tout côté de nos pays, tête en bas. C'est ma frère. Parité yon seul élu dans le pays d'Haïti. Pays Jean-Jacques Dessaline dans tout non cimetière. Avec un peuple qui souffrit, yon l'État qui échoué et qui lage toute société à courir pendant la police nationale la bagba devant gang. Depuis 2020, nous sortis dans l'ordre constitutionnel là. En avant toujours appris on est ça. C'est seul bon genre consensus politique qui a retourné le pays à sous rail démocratie. Ligne en avant pas jamais changé. Depuis 17 mois on a répété ça. C'est position ça que nous estimons qui correspond à l'intérêt peuple, à l'intérêt pays, à l'intérêt société. Il y a plaisir à monter terrain. Nous respectons tout ça qu'a fait GFO pour jouer une solution pour la crise. Mais nous disons pas normal que chaque groupe estimé à comparer à Vibon. À Montana, à Montana-Pen, à Louisiane, à 11 septembre, et la trier. Dernier accord, c'est accord 21 décembre. Multiplication à quoi ça a montré que tout le monde a cherché une solution, mais elle montre tout, personne ne peut joindre, personne ne peut réussir à joindre le consensus que nous avons cherché, personne ne peut être capable de joindre la légitimité que nous avons besoin pour nous définir ensemble et faire des routes jusqu'à ce que nous arrivions dans l'élection libre, non, tant que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons déterminé. Je dis à frère Maxime, nous avons une décision pour nous prendre. Est-ce que nous continuons plein, ça qui ne peut pas mener de aucun côté, ou bien est-ce que nous prenons responsabilité nous? Une fois pour toutes, pour faire un vrai dialogue national qui pour retirer nous côté nous journée aujourd'hui. Parce qu'il y a une incohérence sur tout le bord et nous clair sur ça. Par exemple, nous allons comprendre qu'il y a un pile signataire à l'accord 21 décembre qui voulait proposer que l'accord s'il est capable de permettre nous gérer la transition, mettre sécurité pour aller dans l'élection. C'était ancien député Jay Tardieu. Malgré pas de vraiment une tête ensemble nationale qui était bail à l'accord 21 décembre 2022, Ariel Henry, Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, yo plus connaît sous nom BINUH, dit il bat bravo dès que le gouvernement de facto a rendu public mercredi 11 janvier 2023, document li accord tête ensemble national Ariel Henry te signé avec plusieurs partis politiques, l'autre organisation dans société avec businessman après accord 11 septembre 2021. Dans la publication li fait sur compte Twitter li BINUH dit li encourager acteur yo à poursuivre ak dialogue là qui ka mené dans restauration institution démocratique yo. Association nationale scout pays d'Haïti ANSH dénoncé et puis protesté contre yon certain Jean Ronel qui t'a utilisé yon structure qui relè Mofodeb AJMB Scout Pays d'Haïti qui t'a signé un accord qui relève consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Association nationale Scout Pays d'Haïti dit Jean Ronel, tout le monde connaît son nom ça, pas ni droit ni qualité, donc il pas de mandat pour lycéen quoi que ce soit dans non Scout d'Haïti. C'est seulement dans comité exécutif là qui gagne droit pour signer quoi que ce soit suivant article 36 et statut 1. Komite sa gen la dan, yon prezident, komiser general adjoint, sekretèr general adjoint, trésorier général adjoint, commissaire international adjoint, conseiller juridique, jeune conseiller national ak délégué national. Association nationale Scout Pays d'Haïti dit signati sa pa engagé institution qui a poursuivre Jean Ronel devant qui de droit suivant disposition code pénal qui sanctionné mode agissement sa yo. Dans le chapitre insécurité, l'ennui jeudi 12 janvier 2023, après yote recevoir coup de force l'agent, bandi exam lagé ancien député Tigier Niplan, Smith Maturin, yote kidnappé dans commune Grissier, sur route Sidlan, lundi 2 janvier 2023. Toujours dans le chapitre insécurité, jeudi 12 janvier 2023, la police nationale l'a dit, li arrêté Mendi Fleurival, qui genti non jouet Wendy, 27 l'année, li suspect capoté cartouche by groupe gang exam dans commune Gansaline, département Latibonite. Dans une publication li fait, PNH la fait connaître individu ça qui était en même temps actif dans gang là, gagné dans tête li yon certain Wilford, li joint arrestation li dans zone Semac pendant li était dans un petit bateau qui t'a prend direction Gansaline. Même jeudi 12 janvier 2023, la police nationale l'a arrêté tout dans zone Lilavoie avec Lison, dans Nord-Port-au-Prince, Jean-Romain Aristide avec Jean-Kendi Alexandre, les suspects qui étaient en activité bandit exam. La police suspecte individu sa yo impliqué dans l'assassinat sous policier Wilson présumé, yon agent de la police nationale là qui était affecté dans corps brigade intervention motorisée BIM, bandit exam était assassiné dans date 17 novembre 2022 passé à. Pendant l'arrestation individu sa yo, la police rive joine yo gagné sous yo zam service policier Wilson présumé qui était mort assassiné. Dans le chapitre politique, plusieurs organisations voyons pinga sous situation dans le pays d'Haïti côté tout pouvoir politique là été gonflé dans point gouvernement de facto Ariel Henry qui pas fait rien pour craser des gang exam yo. Acteurs politiques yo ta doit joindre un accord sérieux, une façon pour capable joindre un bout dans crise là d'après directeur exécutif Réseau national Cap défendre droit moun yo Pierre Espérance dans interview li te bay Alter Presse ak Alter Radio. Accord ça ta doit déboucher sur gouvernance paysan avec femmes et garçons compétents qui capable renforcer institution yo et puis protéger citoyens contre Zak Abitrayo. En koute yon externe en déclaration directeur exécutif Réseau national Cap Défendre Droit Moun Pierre Espérance. Donc là, depuis monter ce pouvoir, situation sécurité a été plus grave dans le pays. L'institution a été plus mal, la police a montré qu'elle n'est pas capable de faire travail, de protéger vie avec bien. Et il y a un problème grave qu'on a, c'est que pour joindre un pile et policiers qui n'ont connivence avec bandits. Donc, situation ça nous est là, sont situations qui extrêmement graves, qui nécessitent un bon genre accord politique et pour capable de joindre des femmes avec des garçons qui, dans notre pays, pour aller vers et question et gouvernance. Dans gouvernance, c'est nous qui vous baou renforcement institution pour être capable de protéger les citoyens contre tout mauvais acte. Et je dis, c'est pas ça nous. Et la Constitution dit que la Constitution amendée, et en cas d'absence président, et pour quel que soit motif là, le Premier ministre et le gouvernement ont une priorité là pendant 60 à 120 jours, 60 jours à 120 jours pour faire élection. Mais c'est depuis novembre 2021, 60 jours, 120 jours arrière là, est fini. Qui donc, pas de légitimité, ni pas qui fait des routes, ni pas gagner, ni fait un accord, et accord là, et pas camper soigné, au contraire, il y a un pays plus difficile, côté que le monde n'a pas dans le pays, et gang yo renforcé, gang yo vin plus puissant, et gang yo continue en connivence avec l'autorité et dans l'État. Donc, quand il y a ça, on a vu aujourd'hui, c'est la population elle-même qui peut renverser, pour changer la situation. C'est une excellente déclaration, directeur exécutif Réseau national Cap Défendre Droit Moun yo, Pierre Espérance. Même Jacques Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Union pays européen avec plusieurs autres ambassades étrangères dans le pays d'Haïti, dit au bas de bravo dès que Ariel Henry rend public mercredi 11 janvier 2023 document lié à côté ensemble national, plusieurs organisations considérées tant que démagogie avec démarche passe pour qui partisans. Délégation pays européen dans le pays d'Haïti, même Jean ak membre Union pays européen qui présent dans le pays d'Haïti, tant que Allemagne, Espagne et la France, dit accueillir avec intérêt publication documents qui relaient à côté ensemble national dans le journal officiel paysan, le Moniteur. D'après ça, nous capables dans un communiqué au météo. Union pays européen ensemble avec ambassadeur saluer dialogue la capra poursuivre entre tout acteur haïtien qui intéressé pour rejoindre une solution démocratique dans crise qui gagne plusieurs dimensions cap craser le pays d'Haïtien. Actualité internationale à collaboratrice non Marie-Farah Fortune. Yo pawe 3 journalistes depuis 27 décembre pays Mexique dans une 32 états fédérés qui puissent toucher dans affaires violence. D'après ça, défenseur droit mon liberté expression fait qu'on est mercredi. Tous les 3 tapes travail pour apporter information dans état Guerrero côté violence là touché dernier jour ça au capitale touristique Acapulco. Des noms yo te paraît maré dans chaîne dans une vidéo qui publiée sur internet. Une nan yo fait connaître la paye conséquence publication lio. À peu près un Brésilien sous 5 d'accord invasion ak saccage sympathisant ancien président extrême droite Jair Bolsonaro dimanche Brasilia dans congrès par les présidentiel à Cour suprême d'après un sondage Institut Atlas publié mercredi. Les autres après prendre question est-ce que yo d'accord avec action manifestant yo qui te occupé congrès par les présidentiel à Cour suprême là 18,4% yo te posé question te accepté ça, 75,8% te dit pas d'accord et puis 5,8% pas répondre à question. Et puis pendant la dénoncé fraude principale parti opposition béninois voyé jeté jeudi 12 janvier résultat provisoire élection législative qui bail camp président Patrice Talon sorti vainqueur d'après résultat ça au commission électorale nationale autonome dans Sénat publié mercredi mouvance présidentielle là prend 81 sur 109 sièges dans parlement contre 28 pour principal parti opposition les démocrates résultat définitif yo y a bayo vendredi 13 janvier. Nan kilti mémoire Prince Aria bien démarré dans premier journée la vente li dans librairie. On koute Marie-Farah Fortuné kapote plus détail pour nous. Mémoire Prince Harry qui gen gros révélation contre monarchie britannique là fait un gros démarrage avec plus passé 1,4 million exemplaires qui vendent en anglais 1er juin mais tout nouveau tirage dans pays la France d'après sa éditeur fait connait jeudi. D'après Penguin Random House, le suppléant en français, ouais vente lan sans pareil Royaume-Uni, États-Unis mais au Canada dans tout format ak sous toute forme numérique, audio et latrier pour un essai édition ça publié. Li pa bay donné en chiffre pour 15 l'autre langue côté livre lan publié tout. Édition française qui était lancée avec un tirage de 210 000 exemplaires, fait objet d'un autre tirage 130 000 exemplaires en plus. D'après sa édition Fire, fait AFP connaît. Édité en palais concernant demande libraire à environ 20% fois plus à sa premier tome Mémoire présidentielle Barack Obama dans l'année 2020 qui c'est une terre promise. Dans le livre ça qui publié mardi, 4 mois après la mort Elizabeth II à 4 mois avant couronnement Charles III, prince exilé depuis 2020 en Californie, dressé un portrait critique proche liyo côté le palais quelquefois avec des bagailles qui t'est arrivé ça gain plus passé 20 l'année. Une délégation américaine au niveau doit rendre pas trop longtemps qui bat pour relancer discussion avec pays communiste sur question police et puis rapport avec maintien l'audio. Plusieurs responsables américains à Cuba ont rencontré moi ça à La Havane pour capable discuter sur sujet intérêt bilatéral qui concernait question maintien l'ordre international parmi yo criminalité transnationale d'après ça un porte-parole département l'État qui pas de non cité fait connaître. Plusieurs élus démocrates demandé président Joe Biden jeudi 12 janvier pour le révoquer visa ancien président brésilien Jair Bolsonaro qui pour connait à trouver le Floride côté refusé pour payer États-Unis servir refuge à ancien dirigeant. Il y a demandé l'autre bord pour le ministère de la Justice d'enquêter sur possible soutien ou bien financement qui sorti aux États-Unis qui a rapport à crime violent 8 janvier qui était fait au Brésil. Côté au fait référence à l'invasion mais tout saccage joue ça trois liés pouvoir emblématique brésilien. Événement ça a été venu rappeler à ce Capitole 6 janvier 2021. Afrique, quand président Patrice Talon remporté majorité siège dans le Parlement béninois, d'après sa Cour constitutionnelle paysan, déclaré jeudi 12 janvier, dans un vote qui marquait retour opposition après 4 ans d'absence. Parti mouvement sa présidentielle là, bloc républicain BR, à qui union progressiste pour renouveau IPR, remporté 81,9 sièges dans le Parlement, alors que principal parti opposition démocrate gagne seulement 28 députés après élection dimanche passé. Et puis, pays Mali, colonel Abdoulaye Maïga, ministre administration territoriale, a été invité 12 janvier, parti politique dans une réunion préparatoire en rapport avec référendum sur nouvelle constitution. Yon avant-projet était présenté ça il 3 mois, côté où doit soumettre citoyen malien mois masque à venir là. Mais texte nan côté quelques points a fait débat pour qu'on finalise et puis parti politique aurait été divisé sous opportunité même pour changer constitution. Sous 281 partis politiques, gouvernement témoin de suggestions, seulement 50 répondent à l'appel d'après compte-rendu journal l'État malien et sort. Dans le chapitre la santé, pour première fois, une intelligence artificielle diagnostiquée avec précision cancer n'a été encoutée Marie-Farah Fortune qui a pour plus de détails pour nous. Un algorithme IA validé cliniquement dans les affaires détecter cancer TT pour une grande variété sous type particulier. Étude qui publiée dans la revue NPJ Breast Cancer Nature, c'est fruit collaboration entre Institut Cœur et Pays la France et IBEX Medical Analytics, l'idée diagnostic cancer assisté à travers IA. C'est le premier qui présente un algorithme qui est capable de détecter avec précision plusieurs caractéristiques pathologiques biopsie mammaire. Avec plus passé 2,2 millions de nouveaux cas dans l'année 2020, cancer TT c'est maladie qui est plus jointe dans le monde. Habituellement, diagnostic type cancer ça établi après un examen histologique échantillon biopsie mammaire, ça qui capable labourer subjectif mais tout plein erré. Et en l'autre bord, quantité pathologie a diminué dernier année tandis que incidence globale cancer TT a augmenté. Système l'a été développé pour intervenir en appui à corps médical là. Concrètement, algorithme IA entraîné pour identifier 51 caractéristiques mammaires grâce à la méthode deep learning là, sous plusieurs centaines de milliers d'échantillons images. Après ça, la recherche était focalisée sur 841 images l'âme entière qui étaient sorties dans la biopsie mammaire. Algorithme IA analyser images et puis résultats étaient évalués par rapport à un diagnostic consensuel des pathologistes déposés. Dans Kilti, mannequin allemand Tatjana Patitz fait voilà pour pays sans chapeau. En côté Marie-Farah Fortune qui a porté plus de détails pour nous. Mannequin allemand Tatjana Patitz, célèbre à cause elle fait partie groupe supermodèle original années 80-90. Musicien George Michael te mettait en scène dans une vidéo. Mourir mercredi, il a 56 l'année. D'après sa agence li fait connaître, côté le confirmé en information magazine Vogue. Corinne Nicolas, qui est fondatrice mais tout patronne agence mannequin sous 5e avenue Manhattan, New York, de modèle Coop, pas dévoilé les circonstances disparition allemande à 56 l'année. D'après magazine new-yorkais Mode Vogue qui révélait l'information. Célèbre photographe mode allemand Peter Lindbergh, qui mourit dans l'année 2019, c'était toujours favori Tatjana Patitz et était photographié depuis l'année 1980. Il fait à pays Allemagne, il est pays Suède et puis il a habité Californie. Patitz était toujours symbole européen chic. Romy Schneider et Monica Vitti ont déclaré ça à Pop Magazine Yana Wintour qui est patronne Vogue. Il était fait partie du groupe élite supermodèle original années 80-90 avec mannequin Estelle Lefebvre, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, mais tout Christy Turlington. 6 femmes étaient sous une photo célèbre. Peter Lindbergh te prend sur une plage dans l'année 1988 pour Vogue. Patitz, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell et Cindy Crawford te paraissent côté au tap chanté en playback sous voix George Michael dans bel clip vidéo qui gagne pour titre Freedom 90, auteur compositeur britannique qui mourit dans l'année 2016. Dans Kilti, d'après plusieurs spécialistes, il y a un logiciel qui découvre qui est capable de détecter cancer dans TT. En côté, Marie-Farah Fortune qui a pour plus de détails pour nous. Un algorithme IA validé cliniquement dans les affaires détecter cancer TT pour une grande variété sous type particulier. Étude qui publiée dans la revue NPJ Breast Cancer Nature, c'est fruit collaboration entre Institut Cœur et Pays la France et IBEX Medical Analytics, l'idée diagnostic cancer assisté à travers IA. C'est le premier qui présente un algorithme qui est capable de détecter avec précision plusieurs caractéristiques pathologiques biopsie mammaire. Avec plus passé 2,2 millions nouveaux cas dans l'année 2020, cancer tête ces maladies yo plus joindre dans le monde là. Habituellement, diagnostic type cancer ça établi après un examen histologique échantillon biopsie mammaire, ça qui capable labourer subjectif mais tout plein erré. Mais l'autre bord, quantité pathologie a diminué dernière année tandis que incidence globale cancer tête a augmenté. Système l'a été développé pour intervenir en appui à corps médical là. Concrètement, algorithme IA entraîné pour identifier 51 caractéristiques mammaires grâce à la méthode deep learning là, sous plusieurs centaines de milliers d'échantillons images. Après ça, la recherche était focalisée sur 841 images l'âme entière qui étaient sorties dans la biopsie mammaire. Algorithme IA analyser images et puis résultats yo été évalués par rapport à un diagnostic consensuel des pathologistes déposés. N'a pas la principale information nous te présenter pour vous. En plus, une cérémonie officielle bientôt dans l'après-midi 12 janvier 2023 dans le Palais national, c'est non seulement un tweet gouvernement de facto a montré le songer tremblement de tête 12 janvier 2010 là, ça a exactement 13 ans, tremblement de tête 12 janvier 2010 là, c'est la cause plusieurs milliers de monde mourir et blessés, plus paquet milliers cas écrasés avec un pilote dégâts divers côtés dans le pays d'Haïti, tant que dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, dans Léogane, dans Jacmel et la Trier. 13 l'année après travail reconstruction qui était fait yo pas arrivé fait tout bon d'après on ramassé Alter Presse ak Alter Radio. Organisation Nations Unies qui était perdu 100 employés mardi 12 janvier 2010 là, Union pays européen ak plusieurs autres ambassades pays étrangers dans pays d'Haïti wete chapeau yo devant pile ak paquet milliers moun qui était perdu la vie yo dans gros tremblement de terre ça qui était frappé pays d'Haïti bien fort ça gain exactement 13 l'année. Jeudi 12 janvier 2023 moun nan commune Liancourt département la Tibonite tant mais un mouvement protestation pour exiger bandits à examen lagué 3 moun qui étaient dans un petit bus transport public yoté kidnappé bien bonnet jeudi 12 janvier 2023. Dans chapitre migration 70 natifs natal haïtiens qui étaient quitté Port-de-Paix département nord-ouest dimanche 8 janvier 2023 arrivé jeudi 12 janvier 2023 sur un petit bateau dans zone Virginia qui tout près Key Biscayne dans l'État Floride, pays États-Unis, d'après sa journal américain Miami Herald rapporté. Parmi migrants sa yo gagné Timoun, yo te remet yo bay agent la police sous frontière yo. Depuis jeudi 5 janvier 2023, gouvernement républicain dominicain dit li pas interdit encore business dominicain yo vendre dominicain yo dans pays d'Haïti. Après entente qui te joint entre association producteur yo et puis les yo considéré revendication agriculteur yo, gouvernement dominicain te annoncé mardi 10 janvier 2023, li levé interdiction pour dominicain yo al vendre sous frontière avec pays d'Haïti, d'après plusieurs informations qui circulent dans médias dominicain yo. 70 migrants natifs natal haïtiens qui te quitté Port-de-Paix, département nord-ouest dimanche 8 janvier 2023, arrivé jeudi 12 janvier 2023 sur un petit bateau dans zone Virginia qui tout près Key Biscayne dans l'État Floride, pays États-Unis, d'après sa journal Miami Herald rapporté. Depuis jeudi 5 janvier 2023, gouvernement républicain dominicain dit li pas interdit encore business dominicain yo vendre dominicain yo dans pays d'Haïti. Ancien député Arnel Belizaire ak Charles Kiko Saint-Rémy, yon associé ancien président Joseph Michel Martelly, c'est de l'autre monde gouvernement Canada annoncé vendredi 13 janvier 2023 li prend sanction contre yo après plusieurs gros chabrak politique ak businessman li suspect k'ap servi ak estati yo pour protéger gang criminel ak zam yo ensemble ak mauvais manèv yo.